Manque de personnel, classe surchargée, revalorisation salariale. Les enseignants en grève aujourd'hui, réclamer un plan d'urgence pour leur profession. Une mobilisation à l'appel de la CGT, FO, le FSU et Sud, le jour où l'Assemblée examine le budget de l'éducation nationale. Ils étaient environ 300 à battre le pavé à Lille. On écoute la déléguée syndicale FSU de l'Académie. On est depuis 18 mois dans une crise sanitaire qui a considérablement aggravé les inégalités sociales et les inégalités scolaires. Et il n'y a aucun moyen qui n'est mis pour combler ces inégalités, pour permettre à tous les élèves de raccrocher et puis aussi pour permettre à tous les élèves de réussir, que ce soit en école, où il y a eu un certain nombre d'efforts qui ont été faits, mais surtout dans le second degré, en collège, en lycée général technologique et en lycée professionnel. Il y a des choix politiques à faire. Il va y avoir des élections présidentielles et législatives qui vont arriver. Est-ce que l'école est une priorité dans ce pays ? Aujourd'hui, on est là pour dire que nous, on veut que ça en soit une, et c'est pour ça qu'il faut un plan d'urgence.